بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فمن اتقى الله فاز في الدنيا والآخرة قال تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc chers abonnés à la page de la mosquée pour un troisième consécutif, nous sommes réunis via Facebook pour un petit rappel, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, en ce jour béni du vendredi. Donc, toutes les mosquées de France sont fermées. Le Jumu'ah n'a plus lieu. Les gens font la prière de Zohor. 4 rak'at, mais on ne voulait pas priver les gens de ce rappel hebdomadaire. Donc on essaye de se réunir donc chaque semaine, Inch'Allah, pour qu'il y ait un rappel donc une fois par semaine et que nos cœurs ne soient pas perdus dans l'insouciance. Surtout à l'approche de Ramadan, qui est un mois que nous devons accueillir en nous ayant préparé préalablement. Donc il faut être préparé au mois de Ramadan avant qu'il n'arrive. Sinon, malheureusement, s'il n'y a pas de préparation, on ne profite pas pleinement de ce mois, ni par rapport au jeûne, ni par rapport à la lecture du Coran, ni par rapport aux bonnes actions, à la prière nocturne, etc. Donc celui qui s'y prépare, alhamdoulilah, il pourra profiter de ce mois de Ramadan, avoir un mois de Ramadan cette année qui sera meilleur de l'année dernière. L'année dernière, nous avions parlé du mois de Sha'ban et que c'était un mois justement de préparation pour le mois de Ramadan. On avait parlé du jeûne, on avait parlé de la prière nocturne, de la lecture du Coran, sadaqa, tout ce qui est bien à accomplir pendant le mois de Ramadan, il est bien de s'y préparer pendant le mois de Sha'ban, afin justement d'en faire encore plus pendant le mois de Ramadan par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme vous avez pu le voir dans l'annonce de ce discours, nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah, d'accueillir le mois de Ramadan avec un repentir. Donc il faut faire en sorte que le mois de Ramadan arrive et chaque musulman, chaque musulmane est repenti de ses péchés et a décidé de délaisser tous ses péchés et a décidé de suivre le droit chemin, le chemin tracé par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans la sunna de son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le mois de Ramadan est le mois du repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nous dit « Iza ja'a ramadanu futihat abwabul jannati wa ughliqat abwabul jahannam » Le prophète il dit « Lorsque Ramadan arrive, toutes les portes du paradis s'ouvrent et toutes les portes de l'enfer se referment. » Afin de montrer que c'est un mois justement
des bonnes actions à moi, des actions des gens du paradis, et à l'inverse, c'est un mois où les gens délaissent les actions des gens de l'enfer. Et les démons sont attachés pendant ce mois, donc du début du Ramadan jusqu'à la fin. Donc il faut, avant le début de ce mois, que l'on se repente à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le repentir. Allah, il aime le repentir, il aime lorsque l'un de ses serviteurs se repent. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah, il aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Allah, il a appelé tous les croyants à se repentir. Ya ayyuhalladhina amanu toubou ilallahi taubatan nasuha. Oh, vous qui avez cru, repentez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère. Et il dit dans un autre verset, wa toubou ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Et repentez-vous tous, les croyants, afin d'obtenir la victoire. La'allakum tuflihun. Et Allah Azzawajal, lorsqu'il a décrit dans Surat Ali Imran les habitants du paradis, lorsqu'il a dit Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra wad darra wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbu al muhsinin. Donc il nous dit, al-muhsinin, c'est qui? Les bons. Wal-ladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Il dit, ceux qui, lorsqu'ils ont commis une turpitude, fahisha, aw zalamu anfusahum, ils se sont causés du mal à eux-mêmes, Allah, ils se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala et ils demandent pardon pour leur péché. Qui seul pardonne les péchés à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah azza wa jalla, il a appelé tous les croyants à se repentir. Même les non-croyants, les polythéistes, les athées, Ahlul Kitab, ceux qui ont commis des grands péchés, tous ces gens-là sont appelés à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc par exemple, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a cité ceux qui ont attribué à Allah Azza wa Jal un enfant, ou bien ceux qui ont dit que Inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam, que Allah Azza wa Jal c'est al-Masih ibn Maryam, ou bien ceux qui ont dit que Allah Azza wa Jalla thalithu thalatha, donc des immenses paroles sur lesquelles Allah Azza wa Jalla déverse sa colère. Malgré cela, Allah Azza wa Jalla dit afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna. Il dit, pourquoi ne reviennent-ils pas à Allah Azza wa Jalla et ne lui demandent pas pardon pour ses paroles? Allah Azza wa Jal, il pardonne tout péché. Quand la personne se repent, Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés. Même Pharaon. Pharaon, donc Pharaon, celui qui osait dire Ana rabbukumul a'la, je suis votre grand seigneur. Celui qui a osé dire la je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Donc il s'est imposé en tant que divinité pour son peuple. Donc, il s'est mis à l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel immense péché, quel immense orgueil. Malgré cela, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a envoyé Moussa et Harun alayhim as-salam, qu'est-ce qu'il leur a dit? Idhaba ila fir'aun innahu tagha. Rendez-vous vers Pharaon, il a dépassé les limites. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
prononcez-lui des paroles douces. Donc, da'wa billin. Toujours lorsqu'on prêche, on prêche avec la bonne parole, une parole douce, afin qu'elle soit acceptée. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَى. Afin qu'il se rappelle et afin qu'il craigne son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui ont attribué Allah Azza wa Jalla un enfant. Celui qui a osé dire qu'il est Seigneur au même niveau que Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla, il l'appelle au repentir. Les polythéistes également. Ceux qui, donc ils ont une religion, mais ils attribuent des équivalents à Allah subhanahu wa ta'ala. Shuraka, undead. Ils attribuent des équivalents à Allah azza wa jal, des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit Allah azza wa jal? Par exemple, les gens de Quraysh à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam. Fa'in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa khallu sabilahum. Ou fa ikhwanukum fi ddin. Donc si ils se répandent, ils accomplissent la prière, s'acquittent de la zakat, ils deviennent alors vos frères. Malgré qu'ils ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Même les munafiqin. Donc, lorsque le prophète, alayhi salatu wa salam, il a émigré à Médine, et après la bataille de Badr, l'année 2 de l'Hégire, lorsque les musulmans donc, ont pris le dessus sur leurs ennemis, et que les musulmans sont devenus une véritable puissance, certaines personnes à Médine ont fait apparaître qu'ils croyaient, qu'ils suivaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils avaient embrassé l'islam, mais au fond d'eux, ils ne croyaient pas. C'est ce qu'on a appelé al-munafiqin. Ces gens-là, dans l'au-delà, ils seront en enfer et au plus bas degré de l'enfer. Il n'y aura personne en dessous d'eux. Tellement leur acte est grave. C'est-à-dire que l'islam préfère une personne clairement non musulmane qu'une personne qui est un ennemi intérieur à l'islam. C'est-à-dire qui est avec les musulmans, qui vit avec les musulmans, qui vient à la mosquée de temps en temps, mais au fond de lui, il ne croit pas. Cela, c'est les hypocrites. Ils font apparaître l'inverse de ce qu'il y a en leur intérieur. Donc, Allah Azza wa Jalla a dit Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ils seront au plus bas degré de l'enfer. Mais même cela, la porte du repentir leur est ouverte. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan yajidu walan tajid lahum min dunillahi waliyan wala nasira. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Donc il nous dit ce qui les hypocrites seront au plus bas degré de l'enfer والعياذ بالله. Et tu ne trouveras pour eux aucun secours sauf ceux qui se sont repentis. وأصلحوا. Ils ont corrigé leur erreur. وَاَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ. Ils se sont accrochés à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَاَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ. Leur religion est devenue sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. فَاُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. Ceux-là sont avec les croyants. Donc même les munafiqin, Allah Azza wa Jalla les appelle au repentir. Donc que penser du musulman ? Même qui a commis des grands péchés. Allah Azza wa Jal dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Donc ceux qui ont commis, ils ont invoqué autre qu'Allah Azza wa Jal, ils ont même assassiné quelqu'un, ou bien commis la fornication,
Donc ils auront un grand péché, sauf illa man taba, sauf celui qui se repent, wa amana, il croit et il fait les bonnes œuvres. Ces gens-là, Allah Azza wa Jal va transformer leurs mauvaises actions en bonnes. Bref, Allah Azza wa Jal, donc il appelle tout le monde au repentir. Il appelle tout le monde à revenir vers lui, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal aime ceux qui se répandent. Inna Allah yuhibbut tawabin. Allah Azza wa Jal, il aime ceux qui se répandent. Donc tu obtiens l'amour d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal aime personnellement lorsque tu te répands à lui, subhanahu wa ta'ala. Donc at-tawba, c'est une adoration. Lorsque tu reviens à Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration. Et c'est une chose obligatoire. Donc en vérité, tu n'as pas le choix. Donc lorsque Allah Azza wa Jal dit wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun, repentez-vous à Allah Azza wa Jal, ô les croyants. Donc c'est un ordre. Et comme vous le savez, les ordres, c'est tous les ordres dans le Coran, le Karim, dans la Sunna du Prophète sallam, la base, c'est que c'est une obligation. Nous devons nous empresser d'accomplir ce qu'Allah Azza wa Jal nous ordonne, comme on le fait lorsqu'il nous dit « Wa atu zakat, wa aqimu salata wa atu zakat ». Accomplissez la prière, donnez la zakat, on s'empresse de le faire. Et pareil, il nous dit « Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun ». Répentez-vous à Allah Azza wa Jal, ô les croyants. C'est pour ça que beaucoup de savants ont dit que « At-tawba est obligatoire ».« At-tawba est obligatoire ». De tous nos péchés. Et elle est obligatoire maintenant. Tu n'as pas le droit de repousser. De dire, je me repentirai dans quelques mois. Je me repentirai l'année prochaine. Je me repentirai après le Hajj. Là, tout cela, ce ne sont que des ruses du diable. Tu dois te repentir maintenant. Car personne d'entre nous ne sait quand va lui venir la mort. وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتٍ. Aucune âme ne sait où elle va mourir. Allah Azza wa Jal seul sait où chacun d'entre nous va mourir et à quel moment chacun d'entre nous va mourir. Pour nous, on ne le sait pas. Combien de personnes là sont décédées avec cette épidémie du coronavirus? Cela devrait être un rappel pour nous que la mort peut nous atteindre à tout moment. Et donc, il faut se repentir avant justement que la mort nous atteigne. Sallallahu alayhi wa ta'ala an yarzuqana tawbatan qabla al-maut. Allahumma amin. Et le prophète, donc on a dit que Allah Azza wa Jal, il aime ceux qui se repentent. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Et également, Allah Azza wa Jal est heureux lorsque l'un d'entre nous se repent. Il est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah Azza wa Jal est plus heureux du repentir de l'un d'entre vous que ne l'est un homme sur sa monture. » Donc il va citer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Un homme sur sa monture qui serait en plein désert. » Et à un moment, donc, il descend de sa monture et sa monture prend la fuite ou bien disparaît. Et sur sa monture, il y avait sa nourriture, sa boisson, ses moyens de survie. Donc, sa monture disparaît. Qu'est-ce que fait cet homme? Donc, il la recherche un peu, il ne trouve rien. Donc, il va s'allonger sous un arbre en attendant la mort. Donc il est en plein désert, il n'y a personne. Il regarde de chaque côté, il ne voit rien. Donc il s'allonge et il attend la mort. À un moment, il se réveille et il trouve sa monture à côté de lui. Comment va être sa joie? Comment va être sa joie de retrouver sa monture? Donc cet homme, il va tellement être heureux de retrouver sa monture, il va dire, et il sait que c'est Allah Azza wa Jal qui lui a redonné sa monture, il dira, Allahumma
Anta abdi wa ana rabbuk. Il dira, oh Allah, donc je te remercie. Tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Yani akhta'a min shiddatil farah. Donc il s'est trompé tellement il était heureux. Donc il a fait un lapsus à cause de l'immense joie qu'il a ressentie au plus profond de lui. Donc il attendait la mort et là tout d'un coup, il reprend goût à la vie en ayant retrouvé sa monture. Donc, imaginez que vous êtes à la place de cet homme. Quelle sera la joie que vous allez ressentir? C'est-à-dire vous passez d'un sentiment de désespoir. Pour vous, la mort est proche. Je vais mourir dans quelques heures. Et tout d'un coup, votre vie rebascule et vous reprenez espoir à la vie. Comment sera votre joie? Immense. Immense. Et donc le prophète sallam dit « L'Allahu ashaddu farahan » Allah Azza wa Jal, il est encore plus heureux lorsque l'un d'entre vous se repentit que ne l'est cet homme qui a retrouvé espoir dans la vie en retrouvant sa monture. Donc, lorsque tu te repentis, Allah Azza wa Jal est heureux. Lorsque tu te repentis, Allah Azza wa Jal t'aime. Inna Allah yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahirin. Donc, at-tawba est une adoration. C'est une chose que Allah Azza wa Jal aime. Et toute chose que Allah Azza wa Jal aime, en général, cela a des règles. La prière a ses règles. La zakat a ses règles. Le jeûne a ses règles. Al-hajj a ses règles. Donc toutes les adorations en islam, elles ont des règles. Pareil pour At-Tawbah. Il y a des conditions à remplir pour que ce repentir soit accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car malheureusement, il se peut que tu crois que tu t'es repenti, mais tu ne t'es pas repenti réellement. Si tu n'as pas respecté les conditions posées par l'ulama. Mais ces conditions ont été tirées des textes du livre d'Allah Azza wa Jal et de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Donc on va citer les conditions du repentir. On va citer les conditions du repentir. La première condition, c'est le fait de délaisser le péché. Tu ne peux pas être considéré comme t'être repenti si tu continues à commettre ce péché. C'est ce que l'on appelle en arabe al-iqla. Tu délaisses ce péché. Deuxième condition, al-nadam. Il faut que tu aies dans ton cœur un regret. Il faut que tu regrettes le péché que tu as commis. Certaines personnes donc, qui délaissent le péché, ils ont dans leur cœur l'intention de ne plus y revenir, mais ils n'ont aucun regret. Là, le musulman, il doit déjà à la base éprouver un dégoût pour tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Ça, c'est une chose que chaque musulman doit avoir. Si nous n'avons pas cela dans nos cœurs, il faut que l'on se remette en question. Tout ce que Allah Azza wa Jalla a interdit, donc dans sa religion, le musulman doit avoir un dégoût pour toutes ces choses-là. Tous les péchés, le musulman doit éprouver un dégoût. Donc, lorsque tu te repens, tu dois regretter d'avoir commis ces péchés. Donc, on a dit « al-iqla » Al-Nadam, le regret, et Al-Azm, le fait d'avoir la détermination dans ton cœur de ne plus revenir vers ce péché, plus jamais. Donc, Al-Iqla, Al-Nadam, Al-Azm ala adami al-audati ila hadha dhanbi abadan. Donc, ces trois conditions. Tu délaisses le péché, tout de suite. Tu éprouves un regret dans ton cœur et tu as l'intention de ne plus jamais revenir vers le péché. C'est ce que l'on appelle at-tawba. Et bien entendu,
une condition, mais présente dans toutes les adorations, c'est l'ikhlas. C'est l'ikhlas. Tu ne te répands pas pour faire plaisir à quelqu'un. Tu ne te répands pas pour que les gens t'aiment. Tu ne te répands pas pour justement que une femme t'accepte comme époux ou bien qu'un homme t'accepte comme épouse. Tu te répands pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Tu ne te répands pas par crainte de quelqu'un qui t'aurait menacé. Tu ne te répands pas non plus par honte. Tu as honte devant quelqu'un. Ah, tu te répands pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, même si tu étais seul, tu te serais répandu. Donc ça, c'est l'ikhlas. Donc on l'a mis à la fin, même si c'est en réalité la première des conditions, car c'est une condition présente dans toutes les adorations. Lorsqu'on prie, il faut l'ikhlas, salat, zakat, il faut l'ikhlas, saum, l'ikhlas, hajj, l'ikhlas. Innama al-a'malu binniyat, comme le dit le prophète, alayhi salatu wa salam. Une autre condition, mais qui n'est pas présente pour tous les types de péchés. Donc il y a des péchés qui sont seulement entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des péchés qui sont simplement entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Admettons que tu ne pries pas. C'est entre toi et Allah. Admettons que tu ne t'acquittes pas de la zakat. C'est entre toi et Allah. Admettons que certaines années tu n'as pas jeûné Ramadan. C'est entre toi et Allah. Donc certes, beaucoup de péchés sont entre toi et Allah. D'autres péchés, donc interdits par l'islam, sont entre toi et d'autres serviteurs. Admettons que tu as dérobé de l'argent à quelqu'un. Ce n'est pas entre toi et Allah. C'est entre toi et Allah et cette personne. Admettons que tu as frappé quelqu'un. Admettons que tu aies insulté quelqu'un, que tu as sali son honneur devant les gens. Donc ça, ce n'est pas entre toi et Allah, c'est entre toi et tes victimes. À ce moment-là, il y a une autre condition qui est de réparer cela, ou bien si tu ne peux pas au moins demander pardon à ces gens-là. Donc si tu peux rendre ce que tu as dérobé, si tu ne peux pas, tu demandes que ces gens-là te pardonnent. Pareil, si tu les as insultés, si tu as médit sur eux, etc. Donc tu regardes le péché duquel tu veux te répandre. Répentir. Si tu veux te répandre sur tous tes péchés, donc regarde quel péché as-tu commis et répands-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut toujours faire un bilan personnel avec son âme. Voir ce que l'on a accompli comme bonne action et voir ce que l'on a commis comme mauvaise action. Car souvent, si on ne fait pas cela, on risque d'oublier. On a des péchés liés aux droits des gens. On a dérobé, on a insulté, on a fait ci, on a fait ça. Et le jour où on se répand, on dit « Atoubou ilallah ». Là, tous ces gens-là, tu dois corriger tes erreurs vis-à-vis d'eux. Et Allah Azza wa Jalla n'oublie pas. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Allah Azza wa Jalla n'oublie pas. أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوا. C'est vous qui avez oublié. Donc toujours, il faut faire un bilan avec nos âmes. Et si on a des péchés liés aux droits des gens, il faut que l'on s'empresse d'aller voir ces gens-là afin de corriger nos erreurs et que ces gens-là nous pardonnent par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Yawm al-Qiyamah, nous avons El-Muflis. El-Muflis, c'est une personne, le prophète Samaj vous l'a dit, Atadruna Muflis min ummati. Savez-vous qui est l'homme en faillite dans ma communauté? El-Muflis au fina, man la dirham lahu wa la mata'. Ils ont dit pour nous, qui n'a plus d'argent, qui ne possède plus aucun bien. Le prophète, il a dit, alayhi salatu wassalam,
Al-Muflis min ummati. C'est qui? C'est celui qui viendra yawm al-qiyamati bi'a'malin amthal al-jibal. Il viendra avec énormément de bonnes actions comme des montagnes. Beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de zikr, beaucoup de pèlerinage à la Mecque, beaucoup de tilawat al-Qur'an. Mais à l'opposé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé un tel et il a insulté un autre et il a dérobé les biens d'un autre. Et qu'est-ce qu'on fera? On prendra de ces hasanat qui sont amthal al-jibal et on viendra les donner à ses victimes. Et si ces hasanat ne suffisent pas, on prendra alors des péchés de ses victimes qu'on viendra lui donner jusqu'à ce qu'il soit jeté en enfer. Donc faites attention aux péchés liés aux droits des serviteurs. Allah Azza wa Jal, il pardonne, mais les gens ne pardonneront pas. Yawm al-Qiyama, tout le monde aura besoin de hasanat. Donc si ton agresseur te donne, tu sais que ton agresseur peut te donner de ses bonnes actions, tu ne lui pardonneras pas. Et tu voudras profiter de ces hasanat qui peut-être t'éloigneront de l'enfer et te rapprocheront du paradis. Donc prenez garde au péché de manière générale. Il ne faut jamais minimiser, mais plus encore les péchés liés aux droits des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Al-Zulm, zulumatun yawm al-qiyama » L'injustice sera transformée en ténèbres le jour du jugement. Également, il y a des conditions à la tawbah. Donc, on a cité l'iqlaa, l'nadam, l'azm, l'adam et l'aouda. On a également cité l'ikhlas. Et on a cité, bien sûr, le fait de réparer la chose si c'est lié aux gens. Il y a également des conditions liées au temps. Quand est le dernier délai pour me repentir? Donc, il faut se repentir maintenant. Ne surtout pas repousser cela. Shaitan, c'est lui qui nous dit, tu te repentiras plus tard. Profite de ta jeunesse et tu te repentiras lorsque tu seras marié. Tu te repentiras lorsque tu seras parti au Hajj. Qui te dit que tu vas vivre jusqu'à ce moment-là? Qui te dit que tu vas vivre jusqu'au Hajj? Tu te repens maintenant. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Mais admettons qu'une personne, Shaitan lui a embelli le fait de repousser le repentir. Quand est-ce que At-Tawbah ne sera plus acceptée? Premier moment, عندما تطلع الشمس من مغربها. À la fin des temps, comme vous le savez, le soleil va se lever de l'Occident. Donc tous les matins, le soleil se lève de l'Orient. Et à la fin des temps, Allah Azza wa Jal, il dira au soleil, « Oudi min haythu ataiti ». Il lui dira, « Relève-toi de l'endroit où tu t'es couché ». Et ça, c'est le moment où ne sera plus accepté. Allah Azza wa Jal dit, « Al-yanzuruna ta'tiyahum al-malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik » Attendent-ils que leur viennent les anges pour se repentir? Que leur vienne ton Seigneur ou bien certains signes? Le jour où certains signes viendront, la foi ne sera plus d'aucune utilité, sauf celui qui aura cru avant cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il expliquait que ces signes seront le lever du soleil de l'Occident, min al-Maghrib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit également dans un hadith, « Inna Allah yabsutu yadahu bil-layl yatuba musi'u an-nahar, wa yabsutu yadahu bil-nahar liyatuba musi'u al-layl, wa dhalika hatta tatlu'a ash-shamsu
min maghribiha. Le prophète sallam dit, Allah Azza wa Jal, il tend sa main chaque nuit afin que se répandent ceux qui ont commis des péchés dans la journée. Donc tu as commis des péchés dans la journée, répands-toi la nuit. N'attends pas plusieurs mois, plusieurs années, tu risques d'oublier tous tes péchés. Donc ce qui prouve que l'on doit faire un bilan avec nos âmes quotidiennement. Qu'ai-je fait comme bonne action aujourd'hui? Quel péché ai-je commis? Et on répare tout cela. Et Allah Azza wa Jal, il tend sa main la journée afin que se répandent ceux qui ont commis des péchés dans la nuit. Donc, Allah Azza wa Jal, toujours il tend sa main, subhanahu wa ta'ala, afin qu'on se répande. C'est à nous de saisir l'occasion avant notre mort. Et après, on se lève de l'Occident. Et le prophète dit, et cela a lieu jusqu'à ce que le soleil se lève de l'Occident. Deuxième position, il faut que tu te répandes avant el-rar-rara, c'est-à-dire l'agonie. Donc il y a des gens, toute leur vie ils ont commis des péchés, on les a appelés au repentir, etc. Et ils veulent se repentir lorsque ils se rendent clairement compte de la mort. Lorsque la mort vient à eux, qu'ils ont perdu espoir en la vie, il dit « Inni tubtul an ». Il dit « Je me répands maintenant ». Là, se repentir n'est pas accepté. Allah Azza wa Jal dit « Innama at-tawbatu 'ala Allah lilladhina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alayhim wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa laysat at-tawba lilladhina ya'maluna as-sayyi'at حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا مهينا. Allah Azza wa Jal dit le repentir c'est pour ceux qui commettent des péchés bijahalatin, par ignorance. Ensuite ils se repentent rapidement. Ces personnes-là Allah Azza wa Jal leur pardonne. Allah Azza wa Jal كان عليما حكيما الله عز وجل et le grand sage subhanahu wa ta'ala. Mais le repentir n'est pas pour ceux qui يعملون السيئات, ils commettent des péchés jusqu'à ce que l'un d'entre vous la mort lui vienne et il dit inni tubtu al-an, je me répands maintenant. Là repentir c'est lorsque tu avais espoir dans la vie, c'est pas au moment où tu sais que dans quelques heures tu vas quitter ce bas monde. À ce moment-là, le repentir n'est plus accepté. Également, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal n'a pas accepté le repentir de Pharaon. Lorsqu'il a dit فَلَمَّا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ إِنِّي آمَنْتُ بِالَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il allait être noyé, Pharaon, alors qu'il a été appelé par Moussa, par Haroun, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il allait mourir noyé, il a dit « Je crois maintenant en la divinité en laquelle ont cru les enfants d'Israël et je suis parmi les soumis. » Wa ana min al-muslimin. Allah Azza wa Jalla lui a dit « Non, wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin. » Tu étais transgresseur dans le passé et tu étais parmi les fauteurs de troubles. Donc il n'a pas accepté cela. Et Allah Azza wa Jal dit également فَلَمَّا جَاءَتُمْ بَأْسَنَا, Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَلَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِ. Donc lorsqu'ils ont vu le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala arriver à eux, ils ont dit maintenant nous croyons Allah Azza wa Jal seul et on se désavoue de tout ce qu'on lui a associé. Allah Azza wa Jalla dit فَلَمْ يَكُوا يَنْفَعُهُمْ بَأْسَنَا لَمَّا رَوْ بَأْسَنَا فَلَمْ يَكُوا يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَوْ بَأْسَنَا. Donc leur foi ne sera d'aucune utilité. Ils ont vu notre châtiment et qu'ils se sont rendus compte qu'ils allaient être exterminés par le châtiment divin. Donc celui qui se répand au moment de sa mort ou au moment où il a vu les signes
d'un châtiment divin, cela ne sera d'aucune utilité. Donc il faut que l'on se répande de tous nos péchés, qu'on décide de tourner une page sur toutes ces années pendant lesquelles nous avons désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, et d'enfin prendre la décision de suivre le droit chemin. Tout le monde sait où se trouve le droit chemin, mais peu de personnes ont la détermination de suivre ce droit chemin qui a été donc tracé par Allah subhanahu wa ta'ala, soit dans le Coran, soit dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Et le mois de Ramadan, c'est vraiment le mois du repentir par excellence. C'est le mois du repentir par excellence. Si tu te répands avant Ramadan, tu passeras un très bon Ramadan. Car malheureusement, lorsqu'on ne se répand pas pendant le mois de Ramadan, on s'abstient de manger, de boire, d'avoir des rapports sexuels, mais on continue à commettre nos péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man lam yada' qawl az-zuri wa al-'amal bihi wa al-jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa sharabahu. Celui qui ne délaisse pas le mensonge et sa mise en pratique et l'ignorance pendant le Ramadan, Allah azza wa jall n'a pas besoin qu'il s'abstienne de manger et de boire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: Rubba sa'imin hadhuhu min siyamihi al-ju'u wal-'atash. Beaucoup de jeûneurs n'auront comme ni part de leur jeûne que la faim et la soif. En espérant trouver dans la balance al-hasanat, les bonnes actions de leur jeûne. Mais ils ne trouveront rien. Ils ne trouveront que de la faim et de la soif. Toutes ces années de jeûne, de Ramadan, sans aucune hasanat wa l'ayyadu billah. Donc, répentons-nous tous à Allah subhanahu wa ta'ala. Délaissons les péchés. Tournons la page. Tournons la page à cela. Afin donc d'ouvrir une nouvelle page de notre vie. وَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Celui qui se répand, Allah Azza wa Jalla lui pardonne. Toujours penser du bien de notre Seigneur. Certains se disent: j'ai fait tellement de péchés qu'Allah Azza wa Jalla ne me pardonnera jamais. Ça, c'est une grave erreur. Comme on a vu précédemment, Allah il appelle au repentir ceux qui lui ont associé quelque chose, ceux qui ont dit qu'il avait un enfant, ceux qui ont dit que Al-Masih huwa Ibnullah, ceux qui ont dit que Allahu al-Masih ibn Maryam, ceux qui ont dit je suis le Seigneur de l'univers. Tous ces gens-là, Allah Azza wa Jal, il les a appelés au repentir. Donc que nos péchés sont en dessous de tout cela. Vous connaissez tous le hadith de Banu Israël, l'homme qui avait tué 100 personnes. 100 personnes assassinées. Malgré cela, il est rentré au paradis car il s'est repenti. Donc qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite à toutes et à tous un repentir sincère, ce que l'on appelle at-tawba an-nasuh. Donc repentir sincère. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Sallallahu ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana jami'an min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusna taqwaha وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولها اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت وراحة عند الموت وتيسيرا بعد الموت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أكرم الأكرمين أسأل الله تعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين. أسأل الله تعالى أن يصرف عنا هذا الوباء وهذا المرض عنا وعن المسلمين وعن جميع الناس. اللهم رب الناس أذهب البأس. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.
اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. Chers frères et sœurs, donc c'était un rappel en ce jour de vendredi. Donc ce n'est pas une khutba du vendredi, c'est simplement un rappel afin que nos cœurs restent liés au rappel, à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, au hadith du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine, inshallah, à la même heure. Rabbana atina fid dunya hasana. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم